Hello! Bon, je sais que ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas posté de vidéo, mais là, je suis de retour. Je suis de retour et pour ce retour, grand changement. Ça fait maintenant 6 mois, 6 mois que j'ai déménagé au Gabon. Donc, il est temps de montrer un peu le déménagement, l'installation, les premiers instants, etc., etc. Bref, donc je vous laisse enjoy cette vidéo. Et puis après, par la suite, j'espère que je vais me dépêcher à faire le blog sur la Jordanie, Dubaï et Bali. Donc, comme d'hab, je vous laisse regarder cette vidéo. Commentaires, partages, abonnements, etc., etc. Bon, bisous! Bon, déjà, étape numéro 1, je vais commencer à sortir mes chaussures. Ensuite, je vais commencer à sortir mes livres. Bon, c'est un peu déjà le bordel. Mais bon. Bon, bientôt terminé. Voilà le pendant. Sans commentaire, hein. En tout cas, celle-ci me manquait. Les cuissardes de scie. Celle-ci aussi. Et mais tout ça va me manquer. Je peux pas tout prendre. Je dois faire des choix. C'est dur, hein, quand même. J'ai fini mes cartons. Bon, ne faites pas attention à mes cartons Burger King. Tac. Et du coup, ça, c'est ce que je veux emmener. Enfin, c'est la moitié de ce que je veux emmener. Bon, je pense que je vais faire un deuxième tri dans tout ce bazar. Voilà, on est ready. Es-tu prête? On est parti. On dirait que c'est la première fois que je suis dans un camion. Bon, on va faire un peu de ravitaillement quand même. Rentrer en mode Tetris. T'es contente? Ici, il y a des pigeons Professionnel. qui se baladent là. On dirait qu'il y a du monde alors qu'il y a deux pigeons. Je te jure. Regardez pas le code. Ah oui, ne regardez pas. C'est un peu long tout ça, hein? Oh shit. Je fais des bêtises. Bon. Allons-nous-en. Aïe, aïe, aïe. Je suis grave choquée. Nous, on pensait qu'on avait fini, on a oublié ça. Je suis grave choquée, wesh. Les cadres de lit. Bon, Magnifique. bah, on est reparti, hein. Bon, on est parti. Moi, j'ai trop cru que tout ça va rentrer dans ma valise. Dans mes valises, plutôt. J'ai un nouveau tips, c'est
des sacs, il y en a 15. Et du coup, vous mettez vos affaires dedans. Et après, avec l'aspirateur, il faut aspirer. Et ça réduit l'espace. Donc, on va voir si ça m'est bien utile. Du coup, une fois que vous avez mis vos affaires dans le bac, il faut aspirer et ça compresse vos affaires là. Ça devient tout plat. Hey. Bon, j'ai fini de préparer mes bagages. Franchement, dès que j'avais fini, j'étais en mode plus d'énergie. Plus d'énergie, mais au moins, toutes mes affaires sont rentrées. Demain, on va essayer d'arriver à l'heure à l'aéroport. Pas de galère. Et voilà. Donc, je vous dis bonne nuit depuis mon lit. Enfin, depuis mon matelas. Au sol. Et puis on se dit à demain. Bon, est-ce que ça va me manquer tout ça? Parce qu'il a tourné aux musiciens. Harry a fait une vidéo, ils l'ont volé. Wesh. Du coup quoi? Ben stop hein. Et genre ouais, il a tourné aux musiciens. Et après il y avait une vidéo, un petit, il dit ouais, si tu veux tu vas tourner à la VB, mais tu tournes pas aux musiciens et tout. Ya. Mais après il a même coupé. Ah, en tout cas. Il s'est fait voler. Ah, aux musiciens c'est un problème. Ouais. Bien arrivé au Gabon, à Libreville. Du coup, pour l'instant, je suis à l'hôtel. J'espère que je vais pas rester à l'hôtel tout le temps, parce que j'avoue, c'est bien l'hôtel, mais c'est mieux les apparts.
Donc voilà, petite chambre tranquille. Et la vue, bah bon, c'est la nuit. On verra bien demain matin ce que ça donne. En tout cas, la température là, c'est 26 degrés la nuit. Donc j'imagine même pas en journée. Voilà, bon, on va s'installer petit à petit. Bon, premier matin, 7 h du matin, se faire réveiller par les chants des coqs là, c'est cool, hein? Trop bien dormi. Bon, je vous montre la vue à 10 h du matin. Franchement, il fait très chaud. Enfin, très chaud. Il fait 29 degrés, je pense. Du coup, bah là, moi, je me prépare vite fait et je vais à la clinique. La clinique, elle est à 15 secondes, 10 secondes de l'hôtel. Ça, c'est cool. Mais j'espère que je ne vais pas rester à l'hôtel quand même. C'est bien d'avoir un petit chez soi. Bon, c'est parti, on va faire ça. Pas très loin non plus. Explore encore un peu, je vais aller refaire mes ongles et après voilà, on verra la suite. Regardez-moi ça. Je me suis fait piquer 2 fois sur la lèvre. Bref, c'est un bisou de bienvenue, je sais pas, mais. Voilà, donc là vous avez vu les premiers instants, mon déménagement et puis les 3 premiers jours de mon arrivée au Gabon. Et là, comme je disais, ça fait 6 mois.
Donc Steam, moi, j'ai fait quand même plein de choses, quoi. Donc là, je vous laisse regarder la suite de la vidéo pour voir. Bref, je m'écarte. La musique gabonaise, c'est vraiment quelque chose, bref. Du coup, je disais que là, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Et puis, voilà. Sur le Gabon. Alors déjà les Gabonais, franchement c'est des gens, ils sont super drôles, ils ont toujours des expressions, tu sais pas d'où ça sort mais tu vas rire seulement. Ils sont bons délire, ils ne mâchent pas leurs mots, ils sont très accueillants, franchement j'ai été très bien accueillie et ils sont feignants aussi, il faut préciser. Après ici c'est un pays vraiment magnifique, il y a plein de choses à voir, plein de choses à découvrir, mais le problème c'est que c'est pas abordable pour tout le monde, ce qui fait que la plupart des gens préfèrent aller dans les bars groupe V, boire la régab, enjoy, écouter de la musique entre amis, c'est l'activité principale ici franchement. Ensuite ici ils importent tout, que ce soit les fruits, les légumes, la viande, franchement. Ils importent tout malgré toutes les ressources naturelles qu'il y a dans ce pays-là. L'importation, là, elle est vraiment très, très intense. Elle est très intense.
Et ici, il y a beaucoup d'étrangers, il y a beaucoup de Sénégalais. Ah, il y a beaucoup de Béninois aussi, Camerounais. Et le dernier point, ce pourquoi je suis venue ici, bah, le travail de base. Là, je fais beaucoup plus d'heures qu'avant. Je ne veux même pas déclarer mon nombre d'heures ici. Mais du coup, ce qui fait que je suis très fatiguée en ce moment. Je ne sais pas si ça se voit parce que je continue quand même à faire des activités, même si je suis fatiguée, quoi. Mais du coup, ça me fait beaucoup réfléchir à mon avenir ici. Parce que déjà, depuis que je suis ici, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu beaucoup d'opportunités. Donc là, je suis dans l'hésitation si j'accepte ces opportunités-là, ou bien si je continue un petit peu plus mon voyage au Gabon, parce que j'aime vraiment bien ce pays, hein, mine de rien. Donc, on verra bien la suite.